Je vais mettre en QWERTY. Et on est parti, hein. Le jeu, par contre, est full anglais. Il va te foutre une pression, c'est sûr. Il a l'air un peu vénère. Oui, mais MDR, c'est pas vrai. Bah oui, c'est quoi, c'est n'importe quoi. C'est normal. Je vois même pas comment c'est possible. Allez, on est parti. On se plonge dans l'ambiance. You play an interactive psychological thriller. Attention comment on dit, c'est qu'on perd les flashs. Pas qu'on perd, mais qu'ils supportent pas les flashs. Épileptiques. Ce jeu n'est pas conseillé pour vous. Ceux qui sont épileptiques, regardez pas. C'est quoi le jeu, hein? Locked up, hein. Mon IMC me met littéralement vers un centimètre, vers le sentier. Attends, vers le cimetière le plus proche, je suis normal, putain. Mon ratio poitaille est mauvais. Épileptique, merci. Y'a des flashs, attention. C'est moi qui suis là? Ah oui. Ah, on commence direct comme ça? D'accord. Bah super, merci pour la photo. Missing child. On a perdu Martha, frère. On commence... C'est Slender? Non. On commence... Martha a disparu. Ça fait référence au jeu de la semaine dernière ou quoi, là? Ils sont sérieux de nous dire que Martha a disparu? Frère... Oh, mais regardez en plus, la dernière fois qu'on l'a vu, c'est le 12 avril. C'est quand je suis née. C'est quoi, ça? C'est quoi toutes ces coïncidences? Je n'aime pas du tout. Ça commence comme Slender, tricheur. Slender avec un A. Attends, on a perdu ce Martha et on l'a pas vu depuis le 12 avril, frère. On arrête. Ça vaut la mort de Martha, donc. À l'âge de 6 ans. Comme toi, Nono. Lelle. Quel hasard. Donne-moi la lampe. Tac. Je crois que c'est F, ouais. Je comprends jamais pourquoi on peut ne pas partir. On peut pas partir. Vous me dites le son s'il est ok. C'est dépendu. Il est dépendu. Bah oui, mais pas... Enfin... On va pas commencer dès le début. Je trouve good le son. Razera. De toute façon, on n'a pas le choix d'avancer. Hein. Ah, c'est fou comme j'ai pas envie. Ah non, mais les bruits, frère. Dose, par contre, s'il te plaît. Dose les bruits, je te jure que je vais détester. Dose les sons, frère. Oh non. Mais vous y allez fort, là, quand même, frère. On peut commencer doucement, peut-être. Oh, la porte doit se fermer derrière, 100%. C'est pas un clip à gogo. Ouais, les gars, c'est pas un clip. N'oublie pas que Joy Boy offre un T3. Non, mais dosez les sons, par contre, hein. J'espère qu'on va pas garder l'effet film tout le long. J'utilise à gogo. Re le BG. Il dose zéro sur les sons, frérot. Ça commence bien. C'est que ça? Y'a que ça? Y'a un pas, là. Oh putain, mais vous êtes con! Ophélie, pourquoi tu me diras? Ouais, perdri, ouais. Qu'est-ce que j'ai à faire? Ça dit roll BG. Oh, pff, j'ai con. Qu'est-ce que je dois faire? Me regarder dans le miroir là-bas? Oh, j'ai chaud déjà. J'ai le toc-toc. Faire une partie d'échecs? Ce que je dois faire. Peut-être que je fouille la maison d'extérieur. Ah non. M'emmène Martha. La porte s'est fermée. Ah mais c'est glauque, hein. La maman de Martha, elle est pas... Pourquoi c'est une Martha? La maman de Martha, elle est pas très jolie. Je pense qu'il y aura un screamer là. Ah mais les bruits, il y en a trop dosé. Waouh, j'ai autant up. Ouais, niveau 91. Ça gère. Il va y avoir quelqu'un, tu vas voir. Mais dose le gosse. Mais dose. Je serais en été, hein, mais ouais, c'est d'accord, est trop pourri pour les clés, donc c'est mort pour moi, pote, c'est Mario.
Il est où le gosse qui a chialé là? This is going to happen to you. 23 septembre. Que je meurs? C'est la maman de Martha, ça, du coup. On va la voir, hein. Attention, il va y avoir un truc qui est de gamin. Elle a bougé la chaise là. Attention, screamer, fermez vos yeux. Non, 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 on peut pas changer de caméra. Ok, c'est bon. Je regarde dans le miroir. Salut, démon, comment tu vas? Ah, tiens, c'est mort. Je peux pas bouger. Qu'est-ce qu'il y a? Il va se passer quelque chose, les gars. Attention, fermez vos yeux. Laisse-moi. Il y a du monde dehors. Pourquoi ils mettent des chaises sur la table? J'ai pas demandé des invités, frère. Bon, c'est un peu le bordel, quoi, là. Venez, vous rentrez pas. Get out of my life. Le bateau n'aurait pas de mentoline, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de monde dehors, quand même. C'est sympa. Ah, j'ai pas envie de faire demi-tour. Martha, la semaine passée est morte, cette semaine a disparu. J'ai hâte de voir la semaine prochaine. je suis pas super. Non. Mais t'ose. Mais c'est pas drôle, frère. Ces invités de Joy, ils sont comme ça en train d'attendre dans son salon. Waouh. Mais c'est Martha là dans sa main, non? Il y a des fantômes derrière. Ah non, mais c'est trop, frère, ça s'arrête jamais là par contre ce jeu, hein. Les invités, ils sont trompés de chemin. Ah, mais reprends les tes invités s'il te plaît. Salut! C'est Martha ça derrière toi là? Elle a pas l'air en forme. Non, le mec en tenue blanche, je peux plus bouger. Je transpire, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je retienne? Bah d'accord. Dreta, une table pour 50 s'il vous plaît. C'est comme ça que vous voyez les clients. 17 ans plus tard. D'accord. Ça fait beaucoup 17 ans plus tard. Ah bah c'est plus sympa ici. Tu peux tellement faire une musique avec ça. Même pas majeur dans le jeu, hein, je te jure. Mais ça, c'était le synopsis, je pense, ouais. Pas trop vite. Bah, je veux bien la clé, mais si c'est fermé. Bah oui, mais dose. Au cas où, vraiment au cas où. Tu vas spoil? Ah oui, ok. Bah merci. Des bisous Bibi, bonne soirée. Ah, l'histoire n'est pas compris pour ma part. Mais attends, mais il y a eu un bruit de clé là. Martha à la plage, lance une copine, Martha a eu 0 en maths. Ah d'accord. En gros, le synopsis, on sait juste que Martha a disparu et qu'elle voulait se débarrasser de sa mère, on dirait. Enfin, elle en avait marre, sa mère ressemblait à un démon, elle avait les yeux rouges. Donc sa mère, elle a l'air un peu fofolle. Et Martha, elle a pas l'air de kiffer sa daronne. Ah, il m'a HC. C'est un signe, cache-le le gosse. Bah plus la daronne, hein. Ah, ça me... Il y a un bruit derrière. Ça me donne les trucs maintenant. Comment ça marche? C, caméra. Ah, sympa la déco. Martha, ça? Les deux, je pense. Ouais, peut-être les deux, hein. Sympa. C'est toujours fermé, le reste. Oh, de me donner le tuto maintenant quand même. C'est encore fermé. Tu sais voir tes yep? Non, on peut pas les voir. C'est trop bien fait quand même. Pour l'instant, c'est sympa, ouais, j'aime bien. Ah. What the? 28 septembre 1997. Point d'interrogation.
Il y a un truc qui s'est ouvert. Ah bah non. J'imagine que c'est la porte du... Ah non, il y a un truc là. Ok, on peut pas regarder. Martel, victime sur la peinture. Ah, je te jure. VHS, what the cut. C'est toujours fermé. Pourtant, on a entendu un truc s'ouvrir. Je pense que c'est juste fermé. Je crois qu'elle avait un symbole sur elle. C'est bien, pour l'instant, il n'y a pas trop de pression dans cette salle. C'est plutôt gentil. Putain, ça m'a fait peur. J'avais pas compris, je pouvais zoomer comme ça. Franck, oula, ils font peur. Franck, Alice et Marie, le 9 avril 1992. Ils font un peu peur. Alors du coup, c'est pas du tout la famille qui nous intéresse. Le bon de l'au-delà. 3 novembre 94. Des recherches sur les membres d'un culte, je sais pas quoi. Un délire comme ça. Ok, il y a tout un tableau avec des mecs. Psychologie intense, profonde. Ce que vous voulez, quoi. Salut Agathe, comment tu vas? Le jeu qui prank. J'aime bien la musique. Sympa. Ça, ce que je trouve glauque, c'est que ce soit des vraies personnes sur la photo. C'est un truc dans les jeux qui me terrifie un peu. Ça me pensait au jeu RE117, je connais pas du tout. De voir des vraies personnes sur les photos, ça, c'est un truc qui me... Ça marche fort, quoi, sur moi. Ok. On peut sortir maintenant? On se taille, hein. On peut toujours pas sortir! Allez! Ah, mais une nouvelle photo! Marie didn't want to leave our house. Elle voulait pas partir, Marie, en 93. Très bien. C'est marrant qu'on ait notre famille. Ah bah. Pas sûr. Tu dois zoomer pour interagir avec l'objet. Ouais, on dirait. Ah, c'est pareil pour ton jeu. Je trouve ça beau, au contraire, d'utiliser de vraies photos anciennes. Ah, c'est beau, mais c'est fort. J'aurais pas dû le laisser seul à la maison. Enfin, le laisser à la maison. Y'a un mec qui s'est fumé. Ah. Attends, on va ranger ça. Mais il devenait... Y'a quelqu'un qui devenait psychopathe à chercher quelque chose. C'est quoi, c'est un trésor au lake? Gaz. Je peux sortir? Putain, je voulais sortir. Martha n'aime pas trop Franck. Martha préfère sa chambre avec du papier peint. Martha rêve de ce qu'elle pourrait manger. Pourtant, l'ancienne, elle le grince dans un effet nostalgie impressionnant, je trouve. J'en fais plus d'huile. C'est pas vrai, je voulais pas sortir de toute façon. Ça, on a déjà vu. Qu'est-ce que je dois regarder? Comme nos photos de classe. Attends, il y avait eu ça de nouveau. On va regarder la photo. Non, c'est glauque. Y'a rien dans la plante. Là, y'a toujours le flingue. Ça, on a déjà vu. J'écris du lore pour Martha. Il crée une vraie histoire. Mais pourquoi ça me fait ça maintenant? On l'a déjà regardé? Billy et Mathilda, le mariage. Mais il y a combien de personnes? Kitty, n'achetez pas les Monster Munch Crazy, c'est des tubes, des gens Pringles, c'est pas bon. Non, des tubes. Bill, Mathilda, Kate, Grace, Neil, 86. C'est pas tous les gens qui ont vécu dans la maison, quoi? Non, parce que c'est pas trop d'espacé. T'en es pas très fan des photos encadrées, elle a pas l'air d'aimer. Faut dire au fantôme de respirer moins fort. Ah, mais je peux pas sortir? Arrêtez, j'aime pas que... Là, ça m'oppresse. Et comment elle est apparue en face, frère? J'aime pas du tout, hein. Elle est apparue trop proche, là. Elle fait peur, frère. Elle fait peur de fou.
Claustro, non, je suis pas claustro. Je suis pas claustro, mais les bruits. Moi ? J'ai vu que ça coaccélère. Moi qui dois rester avec vous pour toujours ? Ou Martha ? Je préfère que ce soit Martha, hein. Désolée, Martouille, mais on dirait ma voix de vénère. On peut mettre un peu plus de lumière. J'ai plus de flashlight. S'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît de parler là. Octobre 28, 94. Je dois genre souffler sur celle-là ? Ouais. Ça fait vraiment peur, ouais. Des bougies magiques, elles se rallument pour que ton anniv dure plus longtemps. Ce genre de bruit, c'est là ultra déstabilisant. Tous les bruits, frère, ils mettent une pression. Tous les bruits, ils mettent une sale pression. Vraie pipelette, là. T'es en pression constante dans le jeu. J'ai envie de comprendre qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi je suis enfermée? Je joue qui là en fait? Je cherche Martha? Faites-moi sortir d'ici? Non? En pression constante, c'est pour une ancienne d'armée, ça passe. Ça apprécie pas ta blague, Yaya. Arrêtez. Tout ça fait pas peur là, il se passe rien. La salle elle est sympa, ça va. Là c'est tranquille. Arrête de clignoter, par contre c'est un peu chiant. Ah, je préfère quand même que Yaya. J'avais dit que c'était moins glauque que Martha, frère. Je zoome, faut que je... Faut te convaincre à tout de suite. Mais wesh, mais stop au bout d'un moment. Merci Aya pour le rappel, c'est important. Non, non, moins fort, moins fort, moins fort. Je vous jure la vie de moi, moins fort. Ah, nous voilà dans le dur. Je préférais être enfermé dans la petite pièce, hein. Je préfère largement être enfermé dans la petite pièce. J'ai eu un succès qui s'appelle Home Sweet Home. J'ai pas envie d'être dans la grande, bah enfin. Mais venez, on reste dans la petite pièce, on va nous sortir. Martha regrette que Franck n'ait pas la révision, n'ait pas fait la révision de sa chambre froide. Qui va électricité, bordel. Je sais pas si on peut mourir dans le jeu, je pense pas. Oui, dégage, oui, vaut mieux pour toi. Oui, ferme la porte, très bien. Oh, wow. J'aime pas quand c'est tranquille finalement. On peut refaire du bruit. Ça va me péter à la gueule, vous êtes prêts? Oh, attention à vous. Ah, il faut que je prenne une flash avant de partir, ils m'ont dit. Cool, on va jouer avec une lumière. Il y a à manger là. Mange, ça ira mieux. Bah, je veux bien get a flash. Ah, il y a une photo là. Ouais, bah. Sympa ce système, il faut regarder à l'endroit où tu dois. T'as capté? Dégage, vaut mieux pour toi, je veux dire dégage ou je hurle. Bah, donne-moi ça! Oui. Dis donc.
Allez, c'est juste, on est juste dans une maison, de toute façon, au calme. C'est rien de. Enfin. Il pleut, comme de par hasard. Une croix au-dessus de la porte, Seigneur te protège. Oui, bah tiens, tu vois qu'elle va être retournée dans 2 secondes. C'est sympa la décoration ici. Attention, fuite d'eau. C'est calme quand même. J'aime bien quand il y a des bruits. Chante bien, ceci dit. Clairement, couper l'homme ciné, les bruits étaient de trop. C'est une corde. C'est nouveau, ça. J'ai pas envie, hein. Oh, le meuble a changé. Sympa la déco. C'est qui, ça? On n'a pas de... Eh, mais elle est fou avec vos cris, mais... Je vais tellement vous retrouver. Oh, ma mamie, elle était contente. Elle fait un peu peur quand même, mamie, là. J'aime pas trop ta tête. Ah, strabisme. C'est des cookies, ça. J'ai fait un mini coma. Ou j'ai fait un bon. Vous le vendez combien votre appartement, madame? Ah, tu veux ça, toi? Traumatisé. On avance. Et t'as pas fini d'avoir peur, je pense. Mais c'est interminable. T'as pas de moment de repos. À part si tu bouges plus. Mais t'as pas de moment de repos. Moi, c'est tout ouvert. Ah, ça a changé la décoration. C'est sympa, non? Est-ce que t'as plus le bar ou elle pleure? Elle pleure, elle pleure. Je me casse, hein. Bisous. Mais ça va changer tous les combien de temps là? On est où là? C'est quoi ce bordel? Il y a un film, c'est un fantôme qui a la fille VIP. La chose que vous ne savez pas, c'est que votre appart, pour quelques mois, imagine. Dans le manoir, l'année dernière, ça suffit. Hein. Elle s'est dégradée la porte? Non, t'es déjà là. Welcome. C'est sympa. C'est quoi ce. Stop. Stop ce bruit là. Quoi? Joy Boy, il va détester le jeu. Arrête, c'est chiant. Arrête, j'aime pas là. On casse. Ça change tout le temps, mais oui. Mais n'arrêtez pas d'aller briller juste au vieux. Oui. Ah, le petit lupinou, une photo pour moi. Tu es mignon, toi. They were safe then. Zen, ça veut dire après, non? Un truc comme ça. Ils étaient safe après. 23 janvier 1991. Porte qui s'ouvre, tu sais pas où là. Faut encore changer la déco. Ah, ça s'est rouvert là-bas. Marrant ça. Il y a un cercle de... Tu vois? Bah c'est bien, c'est pour expulser le diable. Ça me rassure. Quoi ça? De toute façon, j'ai pas peur d'ouvrir les potes, tout est toujours fermé. J'ai rien là-dedans. Le Martha qui fait ses maths. Ah, j'avais pas vu celui-là. Y'a des cafards, frère, je te jure. Mais c'est qui rigole et où? Tiens, regarde! Yaya, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit la croix va être retournée bientôt. Bah voilà. Oui, bah c'est bon. Let's go le pré-shot. Bah voilà. Oh, j'ai horreur des trucs comme ça. Traduira par les étalons en sécurité. Ah d'accord, super merci à ce week. Arrêtez d'aller au McDo et tous ses copains. J'ai horreur de ça. Ce genre de truc, tu sais, dans ta vie ça t'arrive. Dans ta vie ça t'arrive. Et genre c'est juste au porte-manteau que tu vois. Oh, il était beaucoup plus fort celui-là. Ouf.
Putain, il est immersif, leur toc-toc, à eux aussi. Leur t'as bien besoin d'une douche. Je pense aussi, hein. Y'a encore les cafards. Ils ont pas peur, eux. Lee, quelle heure, tiens? Il est 2h25. Ah, le temps passe vite quand on s'amuse. Je voulais juste regarder la déco comme d'habitude, frère. Calme-toi. Non, toc-toc, en fait. Eight. Ouais, bah je comprends bien que t'es énervé, oui. C'est quoi, je peux... Non. Non, non. Ouais, ouais, ouvre juste la porte. C'est trop ce jeu, les gars. Il y a un ballon, c'est gentil. T'as ouvert quoi? We love going... On adore aller en vacances avec toute la famille. Alice aimait jouer à la balle depuis qu'elle aime jouer à la balle depuis enfant. Transpirer à cause de la chaleur, là, elle dégouline de peur. T'as un pré-ado plutôt perturbé. Pff, allez, me parle plus, c'est bon, perturbé. Je réappuie à chaque fois parce que ça change toujours quelque chose. Hein. Paniquez pas, c'est normal. Il y a toujours écrit 8, mais le tableau a été rangé, c'est bien. On va ranger les choses au moins. Lui c'est du soir, bonsoir. Elle m'en demandait pas trop là, c'est tellement frais. C'est pas grave, je voulais pas y aller. Oui. Qu'est-ce que c'est dans les films d'horreur? Clap clap dans Conjuring. Vous savez, il y a ça dans Conjuring. Où ils font un jeu, il faut taper des mains. Pour rien dire ce que t'es. Vous l'avez vu? Terrible. Le H, Nono. Hate. Hate. Hate, c'est vengé. Hit, du coup, non. Ah non, quand c'est conjuré. Conjugué. J'ai pas envie de jouer à ton jeu, hein. Y'a une peluche, ça veut dire que tout va bien. Faites mon repère dans le jeu, la peluche. Bah non, non, mais c'était une blague, je veux pas la garder avec moi non plus, je vois plus rien, là. Elle va me protéger. Ah, je peux plus ouvrir cette porte. Bah oui, c'est normal, j'ai un truc dans la main. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de ce machin? J'en veux pas. Je rigole, la peluche transforme en truc dégueu. Oh, je te jure. Je vois Nesquik. Coucou Red Bull, comment tu vas? Je la repose là. Qu'est-ce qui est ouvert? Ah, c'est en face. Attention, fermez les yeux. Non, non, non. Oh, il y a un pendu. Arrêtez, arrêtez, il y a trop de trucs. Stop. Faites-moi partir. Arrête de chialer. Moi aussi je peux pleurer. Je veux pas. Freezy. Mais qui pleure là? Stop! Elle est trop grande, elle peut pas passer la porte. Non, t'as signé la cache-cache. C'est écrit en allemand. Sin, den, elle, enfer, elle. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. C'est bon, c'est bon, c'est bon, tranquille. Fais-lui un câlin, mais t'es malade! Ah, une photo, c'est gentil. Ah ouais, je n'ai plus, moi, Yaya! Arrête! Papa, on sait que t'es pas coupable. On espère que tu seras libéré bientôt avec amour. Février 1993. Son père a été emprisonné? En même temps, il y a du sang, frère, là-dedans. C'est eux qui viennent de fermer derrière, là? C'est juste pas comment tu vas? Il fait que 200, ok. Le père aurait fumé, les aurait tués? Ou il était possédé, c'est pour ça qu'il les a tués, t'as capté? Ça va super, juste comme la patate. You can't get out. Je peux pas sortir. Oui, bah j'ai bien compris ça, hein.
Et vraiment, y a pas besoin de tambouriner comme ça, j'entends. Hein. Ça gère grave les langues étrangères ici. Range tes pattes par contre, s'il te plaît. C'est Martha qui fait ça? Je peux pas bouger, hein. Ah, une photo, c'est gentil. T'es pas obligé de mettre 3000 traces, hein. Oh, la croix est tombée, tiens. Ça me protège vachement, Yaya, avec la croix, hein. Non, je veux la photo. Je veux la photo. Ah! Ah, mais stop! Est-ce que t'as pas la foi? Mais jeu de pomme, le jeu, il est affreux. Bon après, you. Les sons sont. C'est quoi? Attendez, est-ce qu'il faut prendre quelque chose? Ah non, c'est ouvrir ça. Toujours rien là-dedans. Ok. Ça a l'air plus gentil d'un coup, là. Il y a de la lumière et tout, c'est l'air plus sympa. Ah, c'est terre décorée, regardez. Ah, on a plus grand! Tu t'avais fini le jeu, mais non, pas déjà. Bonne chiasse, du coup. On a une nouvelle porte. Ok. J'ai environ 3 heures. Roll D. Ah, une clé. Key to the door, c'est pour sortir. Mais prends-la! C'est bon, on a la clé. Une pile. Je peux pas la prendre, la pile. Garde-la. C'est sûr que tu prends plaisir. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Qu'est-ce qu'il t'arrive à choper des clés? C'est la clé pour... pour sortir. Yo. Ah non, c'est pour ici, pour la salle de bain. Ah! Écran de chargement. Ils sont un peu violents, les écrans de chargement, par contre. Ça, c'est dommage. J'ai pas d'Apex, mais en effet, manque de précision. Ah oui, ah, oui, j'ai pas vu l'après-midi passer. Ok, on change de salle. Je pense que c'est un nouveau chapitre à chaque fois. J'ai plus de lampe. Je peux ressortir, par contre. La déception. Bah, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi tu mets un écran de chargement? Je pourrais avoir une lampe? S'il vous plaît? Sauf que j'aurais quitté le jeu. Je peux avoir une lampe? Ah bah elle est là, je suis con. Does not work. Ah, j'ai cherché la pile! Peut-être les sauvegardes. Ouais, je pense que c'est les chaque chapitre. Parce que j'ai vu que je peux les choisir. Bref, intéresse. Un petit peu long la route pour aller chercher la pile. Je peux pas courir, c'est très frustrant. Donne. Je sais que c'est vous, hein, je reconnais les toc-toc. Et ça me fait pas peur parce que là, il se passe rien du tout. Donc là, c'est une maison très charmante. Quelques fissures au toit. Mais la maison est très charmante et très sympa. Je me plais bien ici. Qu'est-ce qui se passe quand il y a ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand c'est tout télévisé là? C'est sur ce. Faut qu'on arrive à comprendre hein, parce qu'il y a une histoire derrière tout ça quand même. Qu'est-ce qu'on doit comprendre quand c'est tout télévisé? J'adore ton positif là. Hello! C'est une image de caméra, mais pourquoi? Il y a une photo de la porte. Ça m'a même pas fait peur. Il y a une photo de la porte. Super. On va aller voir là-bas. Qu'est-ce que ça signifie là? 8, c'est encore là ça? Oui. Bah c'est pas cool! Putain mais je déverrouille la porte, il me la referme. Oui bah oui. Pourquoi filmer comme ça? Ça veut dire qu'on a la vue de quelqu'un d'autre là, mais laquelle, de qui? En cas d'avoir débloqué le couloir. Peut-être pour annoncer le passage du passé. Un passage du passé tu penses? Ouais, mais au final, ça revient pareil, tu vois. Ça refait... On refait la même chose. Ah, elle marche plus la radio. C'est étrange d'afficher ce tableau comme ça, à l'envers. Pourquoi pas, hein, je juge pas. Hein. C'est...
C'est en train de ken sur le lit. C'est assez loin, 48. Pourquoi pas, après, hein. Non, non, mais je vais pas vous déranger. Une valise. C'est quand le père s'est cassé, ça. J'avais 3 mois dans ton jeu. Oubliez pas que le père, il a été incarcéré, hein. Pourquoi faire? Ah. Qui tout ce drawer? Ça veut dire quoi, drawer? Pour le dessinateur? C'est pour ça, non? Non. Marrant de courir après avoir fait du sexe. Un tiroir? C'est une commode? D'accord, merci. Salut Lou, comment tu vas? Ça va et toi, comment tu vas? Ah, ici. Ah tiens, un appareil photo. Amusant. Ok, je peux allumer l'appareil photo. Faut que je prenne en photo ça. C'est pour turn on the camera. Ah, oh, c'est glauque. Je n'aime pas du tout ça. Ah, faut que je la secoue pour que... Oh la vache, ça va être affreux. Oh, je vais de recommencer. Ça va être affreux ce système. C'est bon là, c'est développé là. Encore plus de bruit. Oh mon dieu. C'est ça que je dois faire. Je te prends une photo de plus près. Attends, je me casse. Ça court après le sexe, ça devait être nul. Attends, un tout nouveau Polaroid. Merci Aya pour le rappel, tu gères. Faut le reprendre en photo si jamais y a rien de nouveau. De plus près. Là qui court pour du sexe. Pour éviter les courbatures. Parcouru, tu t'étires donc parfait. Arrêtez de vous distraire dans le chat. Ah et du coup je dois prendre cette porte là en photo. C'est laquelle cette porte? Ah bah c'est celle là, on voit la commode. Il faut que je la vois comme ça. La même, hein. Salut Bexal, comment tu vas? Ça n'a pas marché. Je vais aller prendre l'horloge de plus près. Ça va, je fais des bons, je passe à dans ton jeu, c'est affreux, je suis une fiblette. Le jeu est fort, hein. Tu veux pas enfiler l'impère et le chapeau? Non, j'aimerais bien. Et me barrer d'ici. Ah, il y a un truc à changer. Ah oui, ça clignote maintenant. Peut-être prendre une meilleure photo maintenant. Murder, il y avait écrit. Non, 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 non. Souvenir. Izzy, ça fait pas peur quand elle est là. Salut Malguichou, comment tu vas? Vous avez vu, il y avait marqué murder. Je pense que c'est le daron, il a tué la daronne. Il était condamné pour ça et t'as vu, t'as capté. Un moment, filou. Ça va, il est pas trop méchant quand on va vers lui. Oh, en plus, il m'a ouvert. Leave me alone. Leave me alone. Martha fait sa crise d'adolescence. Oh, mais laisse Martha. Ah, c'est moi qui dois te laisser. Pardon, excuse-moi, peut-être. Peut-être que c'est moi qui te fais peur. Oh oui, je m'en vais, je suis désolée, je veux pas te faire peur. Connasse, ouvre la porte. Leave Britney alone. Je ne sais pas le latin. Elle te fait signe de la main, elle t'en vient, j'ai des ribos. Des fois qu'on te ferme la porte au nez. Oui, je trouve qu'ils sont pas très respectueux. Ah, c'est là que je dois prendre la photo maintenant. Je pense que ça clignote, c'est que je dois prendre les photos. Là, je dois prendre cette photo maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, tu vois? Ouais, TJRS, la D-A-G-R-O-B-I-S-O-U-S. Waouh! Merci, Bexal. Ça toque. Merci, Bexal, pour ton 5e mois. Oui.
Oui, merci Vexal pour ton cinquième mois. Merci beaucoup Vexal. Vous avez, il y avait un cadavre à l'entrée. Comme tout à l'heure quoi. Oui, non mais arrêtez de tout stocker tout le temps là. Martha voudrait ranger sa chambre en paix, moi aussi je vais faire. Il y aura une photo à prendre par là vu comment ça clignote. Mais on n'a pas trouvé de nouvelles. Peut-être sur le mur, il y en a. Envie de ban tout le monde. Je prends en photo. Ah, s'il y a des. Ah, bah non, bah là, ça gâche l'ambiance. Merci LD pour les 100 bits. Alors. Il y a une photo de prendre sur le bas comme ça. Et une photo où faut prendre la. Comme ça. Donc là, vu que ça clignote, on va prendre celle-là. Du côté où il y a la porte et les deux lumières. Là. Je crois que je l'ai foiré. On voit pas autant la porte, il me semble. Mais ils sont quand même dernière fois. Ouais, sinon. Salut Nailik, comment tu vas? Ah ouais, il faut que ce soit de l'autre sens. Faut que la porte, elle soit de loin, en fait. J'ai pas pris du bon côté la photo. Ok. Martha va subir un train de hype. Non, 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 non. We saw something. Bâtard. C'est qui est morte là? C'est la fille ou la daronne? J'arrive pas à la mettre droite la photo. Ah c'est bon. Elle en a une qui a pris cher, notre Eno Game. C'est bien un jeu de photographie. Ah oui. Ok, j'ai une autre photo à prendre, c'est ça. Je l'ai foiré, je crois. Ouais, je l'ai foiré. On fait voir comment elle est, qu'est-ce qu'on voit sur la photo? Pas très poli, hein. Pour développer, là, tu passes au photoportrait. Et c'est vrai, c'est vrai. On prend que des photos maintenant. Il faut que je vois une lampe et le début des deux cadres sur le côté. Okay. Bon, tu vas, Nailik, la forme? Merde, je suis mal prise. Bah c'est la daronne qui tue la fille. Non, je l'ai pas fait, non, non, non. Non. C'est la daronne qui tue la fille, là. L'autre, tu vas le continuer? De quoi, Martha? Martha, je l'ai fini, juste... Ah, celui-là que j'ai abandonné, son God of Horror. Ok. C'est mieux, on retrace l'histoire. Ouais, elle tue le mari. Non, c'est la fille, ça. Celle qu'on voit en train de mourir, c'est la fille. C'est la daronne qui tue la fille, là. Mais ce qui est bizarre, c'est que les prénoms ne correspondent pas, donc ça n'a plus rien à voir avec Martha. Est-ce que Martha, ce serait pas l'esprit qui possède la daronne et qui embête la fille? Quoi? Ta gueule. Yeah, you know what to do. Now's the time. Do it. Oui, oui, Dwight, j'aime bien. C'est marrant, Dwight. Je ton câlin. Ça va, le Perrin? Ça va, et toi? Comment tu vas? Warda, plutôt. Toi, tu le maries? Non, j'ai déjà vu ça. Mais les moments d'un jeu d'horreur, tous des tuants, je te jure. Dwight. Apparemment, je sais quoi faire. Non, je sais pas quoi faire du tout. Hein. J'ai coupé mes cheveux trop courts, ça me stresse. Ça te fait du bien quand même, non? Avec la chaleur, là. C'est un peu moins violent qu'au début quand même, je trouve, ça va. Moins pesant. Ok. On va retourner là-bas. Salut Péristos. Comment tu vas? Oui. Elle m'a prévenu la coiffeuse, pardon. Je coupe plus, ça sera au-dessus des épaules. Ah.
Il t'a dit oui. Oui, bah je t'ouvre. Oh. What the fuck? Y'a un monstre? Martha voudrait ne plus être seule pour jouer. Nude alors. Vous avez vu le bras, hein? Non, 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 non. Ah oui, arrête-toi avant. Oh la phobie, t'imagines, t'entends ça IRL. Ça m'a coupé les cheveux. Y'a une photo là. Faudrait que je prenne des cadres en photo. Là où il y en a un travers, un debout et un horizontal. Il y a juste les trois. Angoissant de fou, ah ouais. J'en ai pas de travers. IRL, je beurre, ah ouais. Je fais la même tête quand je vois une araignée dans un... Dans un coin. Mais oui, bah rentrez, hein, s'il pleut. Ta vie. Rentre. Je casse. Ma blue victime. Tout le monde meurt, IRL. C'est peut-être dans l'autre couloir, les cadres. Aucun de travers là. C'est où alors? Il y a pas de lumière qui clignote donc j'ai pas de photo à prendre je pense. Hmm, je me dirais beau, ça c'est le vent. Ah oui, c'est le vent, bah oui, bah oui. Alors là j'ai fait tic-tic. Arrêtez de faire. Je peux taper dans le ballon peut-être. Si elle veut jouer. Lui est pas consistant, je peux pas taper, c'est chiant en fait à capter. Genre tu te bats toi. Peut-être que je regarde la photo de plus près aussi. On va essayer de regarder la photo. On va regarder la photo. Chaque fois que tu passes où il y a la valise, tu la bouges de place. On sait jamais. Peut-être qu'il y a un truc qui s'est caché. Ouais, c'est le cadre de campagne qui est en travers là. Peut-être si je le prends en photo quand il est droit. Rien dans la baignoire. Louis bagarreur. Je vois vous réfugiez dans le chat vous là. Hein. C'est celui-là avec le paysage. Attendez, on va le prendre en photo au pire. Non. Oh, c'est stressant quand t'as pu le... C'est pas ça là, il n'a pas de goût. Moi je suis. Je sais pas que si je le dois, j'ai jamais eu le faire donc maintenant, donc ça va jusqu'à maintenant. Ah, c'est ça, c'est celui-là. Ah, voilà. Il s'est mis à tomber. Voilà. Key to the door. Ah, c'est pour sortir, c'est bon. Venez, on sort. Cette fois, j'ouvre aucune autre porte, je vais juste sortir. Une victime aussi, les deux, faible. Victime par mon chat. Je suis pas victime par mon chat. Venez, on sort. Évidemment, c'était pas cette clé là. Ça va être une clé qui est là-bas, j'imagine. Ou alors c'est ici pour continuer dans le chemin. Non, ça va être là-bas. Ça se bat la plus grosse des victimes pour louper le jeu, quoi, quand même. Hein. Les deux là. Hein. Ça va être celle-là, je pense, pour entrer dans la chambre de Martha. Ah non. On va le remettre droit. Important. Et moi je suis le jeu. Ah bah je vous ai dit que c'était une partie de jambes en l'air. Qui l'a dit? Bah c'est moi. Et bah super sympa la chambre. Hein. Je suis pas super fan, il y a une photo sur le bord. Qu'est-ce qu'elle dit la photo? Faut que je prenne en photo le lit? Ah bah oui, ça tremble au-dessus. Attendez, on va faire le tour avant. Hello. Merci Miss pour ton... Merci beaucoup Max pour ton deuxième mois, tu régales. Comment tu vas? The Secrets. Merci beaucoup Max pour ton deuxième mois, comment tu vas?
Je vais ouvrir là-bas si je peux et on va prendre en photo la chambre. Ouah, mais il est comprimé, frère. C'est pas ce que je vais faire. Les plantes rares. Ah, il y a des clés là. Je peux les prendre. J'ai oublié de ranger le lit. Ah oui, bah oui. Gaffe qu'on prenne la photo. Ouais, va être glauque cette photo. C'est la fille. Pourquoi la fille a dormi dans un lit de place? C'est la fille, hein. On est d'accord. C'est la fille qu'on a vue là. Il y a une autre photo là. Ça range un lit. Salut Pastèque, comment tu vas? Mais une jambe en l'air, on n'est pas forcément sur un lit, tu sais, Nono. Oui, oui, c'est vrai. On voulait commencer une nouvelle vie. Ah oui, bah tu parles d'une nouvelle vie, toi. Donc ça, c'est bien la chambre de la fille. Ça sonne. C'est pas du tout un classique des jeux vidéo horreur, ça. Non. Pas du tout. Tu réalises, c'est ennuyeux. T'as pas le droit de dormir dans un lit de place? Si, si, bah si, elle a le droit. Oui. Ah, ah merci, c'est gentil. Qui est le drawer? C'est le placard de... sa chambre à elle. Bah non, bah j'ai plus envie. Bah tu vas aller toute seule dans ta chambre. T'es mignonne à chanter là, mais... il fait noir là d'un coup. Pourquoi on dirait que je suis sur la photo, dans la photo? C'est quoi cette lumière là? Remets-moi la lumière classique. Quoi? 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 Là. En photo le méchant qui les a hantés. Ah non, j'aimerais que ce soit moi qui chante comme ça. Ça, c'est la daronne ou la fille? C'est la fille, non? Faut que je la prenne en photo, les gars. Je pense, ah non. Ça, c'est la fille, c'est la gentille. C'est la fille, ça, je crois. Elle est gentille, elle. On va aider à réviser, non? Pousse-la dans le feu. Je crois que c'est la gentille, elle, les gars. Mais vous savez, je dois prendre cette photo, là, maintenant, je crois. Dans le couloir, là. Je prends une photo, mais une peluche. Oh oui, je t'en prie. C'est gentil. Toi, la daronne, non, qui chante à sa fille. Prends une photo, Hugo. Non, fallait pas que je prenne de photo. Dans l'horloge, il est minuit. Non, il est toujours 2h25. Tu dis n'importe quoi. J'ai une clé pour une porte, au fait. Faut pas courir à quatre pattes comme ça. La faute à Dieu, c'est notre pote, lui. Il est gentil, t'es mort 2 secondes plus tard. Fait tomber au passage, j'ai fait mourir, j'étais pas bien là. Non, tais-toi. Allume pas ça. Oh, j'ai chaud. Martha. T'es pas très belle. Ça va pas du tout comment t'es habillée. Pour de quelqu'un, guette-patte. Na na, moi aussi je peux chanter. Na 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 na. Na 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 na. Oh, elle apparaît pas sur la photo? Ah si, un peu. Bizarre. Elle est stylée, hein? Que j'ai horrible. Na 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 na. Un penchant sympa pour la confiture. Oh.
What, c'est elle qui a fait ça? Pourquoi on retourne avec la caméra? C'est même avec la caméra, les croix sont dans le bon ordre, dans le bon sens. Y'a une photo? Oh, y'a la meuf, elle est toujours derrière. Marie était déprimée. Mais c'est quoi? C'est que le fantôme le suit tout le temps? Bisous, Sakumile, et courage pour le travail, y'a les grosses forces. On dirait une tête d'homme sur un corps d'enfant. Ouais, c'est ça, un peu Ryu. Elle était déprimée, bah tu m'étonnes. S'il y a un fantôme qui l'a su H24, frère, t'as pas envie, hein. J'ai l'impression qu'on a... Je sais pas, cette vue-là, je comprends pas trop. Elle a demandé un punching ball pour Noël. Pourquoi il gesticule? Et qu'est-ce qu'il veut? Ça, c'était pas très bien fait. Désolé, mais ça, c'était pas très 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 bien fait. Je rigolais. Il était convulse, adulte encore. Qui ressemblait à ça, la grande fâcheuse. C'est moins épileptique. Il a pas eu l'annonce, le con. Il a trop regardé le jeu, il fait des crises d'épilepsie. T'es une piètre secouriste. Je suis une piètre secouriste? Bah, j'ai fait comme j'ai pu, hein. De toute façon, elle fait rien. À chaque fois, elle disparaît quand on s'approche, donc elle y a pas peur. Désolée. Elle a pas disparu. Enfin, elle a disparu, en vrai. Du coup... Pourquoi je regarde à ce moment? Ah oui, c'était épileptique. Regarde surtout pas, Zera, hein, part du live, hein. Vraiment, n'hésitez pas, hein. Vraiment, ceux qui sont épileptiques, regardez vraiment pas, hein. Je rigole pas avec ça, hein. En convulsé, tu l'appelles à faire de ton mieux. Quoi? Mordereur. Moi, j'ai rien fait, hein. C'est là que je dois prendre une photo? Non. Ça clignote là-bas, donc je devrais en prendre une là-bas, je pense. Ou juste ici, comme ça. Non. Eh bah, dis donc. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Ah bah, elle est là. Mais ça, c'est la gosse, hein. Avec l'ours en peluche, je pense que c'est la fille. Oh, Noémie. Pas de soucis, Zera, fais attention à toi, hein. Shut up! I hate you. J'ai rien dit. I hate you! Elle parle à sa peluche? Non, la personne qui la possède. Shut up! Ouais, elle parle à ceux qui la possèdent. Affreux. Mais pour Vendetta. C'est horrible là, c'est affreux. C'est vrai que ça, comment tu vas? J'ai eu trop peur, bébé. Elle se ouvre le doigt, là, oui, oui. Elle se fait posséder, mais... Ce que je mens pas, c'est que ça a l'air d'être la fille qui se fait posséder, et pourtant c'est la daronne qui tue la fille. J'arrive pas à comprendre qui est qui, vraiment. Ça n'a pas beaucoup de sens. Des bisous, bonne Thérèse, bonne soirée. Des bisous. On comprendra plus à la fin, je pense. Mais pour moi, c'est celle qui est possédée qui a tué la personne, tu vois, ce qui a dit souris et tout. Enfin, elle sait que c'est pas elle. Ça, j'ai déjà vu. Ok. C'est quoi qui s'est ouvert? Là-dedans? Une porte derrière. Pourquoi les deux seraient pas possédés? Oui, c'est vrai, hein. Oula, mais... Dans la salle de bain que vous êtes mort? Tout à l'heure, il y avait le daron qui était là, posé ici. Et encore, là. Ah. Très bien, fermez-moi. Les chiottes. Cette musique oppressante. Un peu de ménage à faire avant que ces invités n'arrivent. Tu veux dire que les invités qui attendaient tout à l'heure, là?
éteins les bougies. Non, 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 j'aime pas ça. Arrêtez, je rallume. Mais pourquoi c'est moi qui suis pris dans le piège? Je peux pas la posséder moi, la méchante ASMR, bonjour. Je m'y pose sans faire gaffe, j'ai loupé le screamer. Salut des fous, comment tu vas? Bienvenue, j'aime pas les jeux avec des enregistrements en mode démon là. Ah ouais? Ça qui te fait peur toi? C'est trop réel. C'est assez violent. Je peux plus sortir. Non, évidemment. C'est pas moi le démon, hein. C'est pas moi qu'il faut enfermer, hein. Moi je suis gentil, j'observe, hein. Direct beat. Ah, ça finit par s'ouvrir en forçant. Nouvelle pièce. Yo. C'est cosy ici. Moi, celle de bain est propre. Ça s'est nettoyé vite, hein. Oui, lève là les invités, j'ai vu le message. Prendre en photo le rideau. Oh, il va être coincé donc derrière le rideau là, il y aura une tête derrière le rideau, frère. Avec les volets et qu'on voit moitié le tableau. On va prendre la photo, hein. Oh, ça fait du bruit quand on détend. Ah voilà, faut que je prenne la photo, ça veut dire. Je pense. Oh, salut. Ah mais c'est papa qui est devant. Ça c'est le daron. Donc il y a le daron, il a quand même regardé la meuf devant, c'est étonnant, c'est bizarre. Un piège ou au contraire une protection? Je sais pas. Ah ben le v'là. Ça y est, on va en savoir plus sur le daron peut-être là. Je rallume pas la télé, ça fait trop de bruit. Il y a encore une photo là. Ok, il faut que je prenne avec la place du canapé au milieu. Super. Devant la table. Comme ça. Le daron, il est enfermé. Salut mon Vito, comment tu vas? Dans ce jeu, tu peux mourir? Je pense pas. Je pense pas, non, tu peux pas mourir, c'est bon, ça joue juste avec ton cerveau là. Je pense que c'est vraiment juste full psychologique. Tu peux mourir IRL peut-être. Vraiment Vito, j'arrive sur un streamer et H24. En parlant, je veux dire, Blue Martha voudrait que ses invités ne foutent pas le boxeau la prochaine fois qu'il les invite. Il avait l'air sympa le daron en vrai, 28 février 93. Bon, c'est l'après avec mon crush, mais non, tous les deux juste. C'était bien. Ok, ça fait rien. Il y a un truc qui grésille là. Je pense qu'il faut quand même que je prenne une photo ici. Mais je l'ai mal pris je pense. Je vais refaire un tour. Ouais mon gars, ouais c'était sympathique, mais non. Let's go mon Vito. 10 juin. Merde, il faut que je la mette sur la télé. Vous reconnaissez? La fin est différente. Vous reconnaissez cette musique? Les anciens? Look. Insert. On peut se poser sur le canapé? Ça marche pas. Ah, il fallait que j'appuie. Ah, chargement. Il m'a acheté un petit JTM quand je rentre chez WAM, c'est affectif, mais quand même. Il a dit JTM! Raid, raid. On retourne là. Et merci Arty pour ton raid. Bienvenue à ta commu, comment vous allez? Je vous préviens, la commune d'Arty, s'il y a des épileptiques, ne restez pas. Vous allez pas kiffer. Non, je t'aime Vito. Ah, je t'aime comme ça. Cette musique, j'ai un remix électro dans ma playlist, je crois. Ah ouais, il doit être trop stylé.
Merci beaucoup, Artie, pour ton raid. Bienvenue. Comment va ta commu? Comment vous allez? T'étais sur quoi? C'était plus elliptique, ne restez pas. Salut, Philou. Bienvenue. Comment tu vas? Quand la photo de la grand-mère. Ouais, super, on était sur Raft. Oh, trop bien. Je pense, on n'a pas la même définition du je t'aime. Ouais, il le dit assez facilement. C'est mignon quand même qu'il dise ça. Ça, je trouve que je pourrais sortir. Ok. Il y a un monsieur qui marmonnait là-bas. Je veux pas y aller, il fait trop noir. Ça a changé de rideau, tiens. Après, on le dit qu'en message, il ose pas en vrai. Ah, il a dit par message. Ok, ok. C'est moyen de dire peut-être qu'il a passé une bonne après-midi aussi, que voilà. Ça va être tout noir. Oui, oui. On retourne avec la vue caméra. Je peux pas aller par là. Ah, c'est nouveau ça. Deville. Devil. Je pense que là, c'est comme si on jouait elle en vrai. Comme si on jouait le vrai perso. Bonne partie, des bisous. Et n'a plus pour voir combien de temps on va vivre avec cette musique. Oui, je vois de quoi tu parles, des fieux. Le daron a l'air tellement peaceful, frère. Le daron a l'air tellement chill. Il y a encore la corde. La corde est revenue. Il s'est pendu, le daron? Bah non, il s'est pas pendu. Il s'est fait fumer. Je peux rentrer dans la salle de bain? Je pense pas. Hein. Non, je peux pas. On va refaire demi-tour. Salut Arnaud, ça va toi, comment tu vas? Mais il y a des bestioles par terre. Oui, oui, elles apparaissent de temps en temps. Ah tiens, ça a rechangé ici aussi. J'ai plus accès. Je peux plus passer. Ah. Ok, on peut aller là-bas maintenant. Bah c'est la dame qui est pendue là. C'est la dame. Mais d'accord, c'est la dame qui est pendue. C'est le seul truc qui la perturbe. Je te jure. Il a fait kikiki. Ah mais il y a le papa derrière. What the fuck? Bah non. Mais pourquoi le père parlerait à une dame qui s'est pendue comme ça? Il a pendu le démon, le daron. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais non, mais laisse-moi voir. Je comprenne. Faut passer le temps. T'as marché dans le sens, c'est pas toi qui fais le ménage. Non, non, ça se fait tout seul. Tu vas voir, c'est tout propre après. Je l'avais pas vu, putain. Mais t'as pas tapé un sprint, tu viens de te pendre. Comment tu fais? J'ai passé en grande partie, donc ça va. Let's go. Oh oui. On me verra une proche. Mais stop. Ils sont quoi avec les bébés? Ok, croche changement est toujours aussi vénère. Bisous God, bon appétit. Bon appétit, profite bien du resto. Laisse un petit scribeur. Hein? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on vient là? C'est pas un point de chaîne pour le coup. Non, non, il y a des vrais toc-toc là. Adore faire la brocante dans le miroir qu'elle y a acheté, vraiment chelou. Pourquoi on retourne au début? Pourquoi on retourne au début là? C'est quoi le délire? Elle est pas sereine, ma vie. Et vite, t'as zéro repos dans ce jeu. Ah, on retourne dans la maison d'enfant. C'est la maison. Mais il y a une voiture. C'est la maison d'enfants, vous savez? Profite pour partir. Bah, j'aimerais. Non, non, au début du jeu, ils nous ont emmenés ici. C'était la maison où il y avait beaucoup de bruit d'enfants. Ça parlait de Martha et tout. Oui, mais c'est bon, je connais les bruits de parents. On me l'avait déjà fait une fois. Ah, cette fois, c'est plus la vieille qui nous accueille, c'est la petite. Salut.
Il y a plus de pendus qu'avant. Ils ont brûlé la vieille. Donc peut-être tout à l'heure 10 juin. Ouais, ça a l'air d'être après. Donc là, on y revient dans cet endroit 17 ans plus tard. Tout à l'heure, quand on était ici, c'était il y a moins de 17 ans. Ah, c'est des barbecues, trop bien. Ah non. T'as avancé dans le temps, là, ouais. Mais encore avant, Vito, c'était il y a 17 ans qu'on est venu, ouais. Ici. Où ça parlait de Martha, que sa mère, c'était un peu nimp, je sais pas quoi. Ah, c'est des barbecues, trop bien. Il y a un pendu. Oh, il y en a pas qu'un, Vito. Gaffe à ta tête. Oh, il y a l'ours. Mon lapin. Elle est dans un jeu d'horreur. J'ai brûlé des marshmallows, bah venez. Ah, les invités. Ils sont prêts pour le barbecue, frère. Super, on va passer une bonne soirée. Les cas ramener une enceinte. Techno. Toujours pareil. Yo yo. What? Mais c'est le daron qui est responsable de ça alors? Putain, je comprends rien. Mais je fais ça parfois des sectes. On est venu dans le salon. Oh, on joue avec un briquet. Mais on voit rien là. Arrêtez avec ces bruits. Oh, ils sont. Violent les bruits. T'es encore enfermé? Mais c'est le daron qui est responsable. Je comprends rien, les gars. Là, pour le coup, je suis paumée. Le bois, c'est dedans qu'il faut le mettre. Hein. Bien plus en soi, ça fait pas bon ménage. Mais con. C'est comme mon zippo à Loïc Paris que t'as perdu quand t'as volé. Mais ça va, oui. C'est comme ça qu'on a que des invités. Ils veulent te tuer, bah j'ai compris ça, merci. Oupsi. Qui se met là, oui, comme ça et saute. Vous l'avez vu, hein? C'est un premier où j'ai eu peur. T'avais pas peur avant? Pas vu, c'est vrai. Du screamer, j'ai un torticolis. Ah, ma flashlight, elle marche pas. Faudrait que je trouve une pile. Non, mais je rallume pas la télé, ça fait trop de bruit. Il me faut une pile. Soufflement et ta magie, ça me fait penser au Scary Movie, là. Quel soufflement. Mais toi, face moi, j'ai ultra peur, on imagine ce jeu. Mais il y a une pression constante, ce jeu, Vito. Ça s'arrête jamais. C'est une pile, ça? Non, c'est une carte. Ah, j'avais pas vu. C'est bon, on a une clé. Pour le placard, c'est ce placard-là? Non. Où est-ce qu'il y avait un placard avec une clé? Je pleure premier degré, je bave. Ah, c'est là. Une cassette, chouette. Cleaning. Pourquoi tu veux faire du ménage? C'est quoi ce bruit là? Oh, c'est stressant de rien voir. C'est fermé. Laisse-moi. Laisse-moi regarder un petit film, c'est le 30 août. Tu sais que tout à l'heure il y a marqué que Martha avait disparu depuis le 12 avril. Martha déjà, le jeu de la semaine dernière, et 12 avril, ça va? Ça met direct dans le bain frère, pour éteindre ton briquet. Ah oui ça? Ok, ça me lance un chargement, ça c'est cool. Ils sont pas trop méchants là-dessus. Ils sont gentils. Ouh. Ah, nous revoilà ici. Super. Je viens juste d'ici, il y a marqué en bas. On est le 30 août toujours. Mais en caméra. On a encore un briquet.
Les employés précédents n'ont pas fini leur travail et... ils répondent pas, ils donnent pas de nouvelles, j'imagine. Récolter les derniers trucs des résidents, quoi, un truc comme ça, j'imagine. Laisser les boîtes dans la maison et le reste va prendre service de tout, t'as capté. C'est très approximatif ici, l'anglais. Hein. J'ai récemment complété un internship avec la compagnie. Et avoir là vraiment besoin du boulot. Là, on revient pour nettoyer la maison. Ah, on est rentré dans la... On vit la cassette. Do cleaning. Là, en fait, on vient pour nettoyer la maison et on vit la cassette. Ça donne sens. Ah, on n'est jamais venu ici encore. Il y a encore une cassette. Une... C'est bon, t'as compris. J'ai fermé la room parce que j'ai entendu quelqu'un marcher et chuchoter. Je peux pas rester ici et travailler, je suis piégée. Je suis observée. Ils aiment pas quand je touche leurs choses. Tu m'étonnes. Peu importe qui trouve la lettre, partez d'ici, t'es pas seule. Oui, oui. Là, j'ai bien traduit. Hein. Le gars qui a laissé la lettre, il était vraiment impressionnable. Il pense que c'est juste une ancienne maison, je sais pas quoi. Enfin, en gros, là, la personne qu'on joue, il a pas peur, quoi. C'est suivi, si jamais. Oui, oui. Ça a un rapport avec la semaine dernière ? Non, pas du tout, c'est aucun rapport avec la semaine dernière. Le fait que la personne s'appelle Martha est totalement un hasard. Je fais peur, le monsieur. Est-ce qu'il faisait pas que je touche aux affaires ? Peut-être pas que j'y touche. Oh, tu fais peur. Super, on peut repartir. Oh bébé, ils n'aiment pas que je touche leurs choses, ça parle de quoi? Bon, en tout cas, la personne qu'on joue de la cassette, elle est chill, hein. Elle s'en fout. Hein. Je chante à l'envers, t'es forte. Je vais exploser, je regarderai la rediff. Allez, courage, passe ta casserole sur YouTube, la rediff. Dès demain. Non, moi aussi je peux chanter. Hein. Ouvre-moi la porte par contre. Ah bah y'a plus la photo, ouais. Une clé. La clé de la porte. Rallume. Lavine-moi, rallume. Je peux pas lire le papier là. T'es forte. Allez, courage, pas sec, grosse force. Ça te dérange pas? Je vais juste ouvrir une porte. Elle va rien faire. Cette fois, c'est vrai, elle va rien faire. Ah! Ah, mais craque-toi ailleurs! J'ai horreur de ce bruit-là! Elle a l'air sympathique. Ah oui, oui, hein. Ça s'est craqué l'os, maman. C'est la première fois qu'on vient là? Bah, il faut pas mettre la poupée là-dedans, elle a rien fait la poupée. Ah, mais c'est le gosse! C'est la tête du gosse, non? Le gosse chelou là qu'on voit? Souple la dame, hein. Fait l'air fuit. Elle tole sur une poupée, c'est mignon en vrai. Mais c'est le gosse qu'on voit tout le temps là? Qui est un peu bizarre? Qui s'habille mal? Ah, elle a allumé la télé. Elle se tape un film, attends, je peux venir voir? Attends, j'arrive. Merde, je voulais mettre Yaya. Ah, c'est gentil, il y a un fauteuil pour... C'est un chat ? Non, c'est un coussin. T'as raison, on se fait un film. Hein. Je dois m'asseoir. Tu veux que je rallume la télé? On peut s'asseoir et discuter. Y a pas de problème. C'est un peu brillant, hein. Elle est pas fatiguée. On continue. On peut dire qu'elle reste dans l'ombre. Bon, on va aller la voir. Un bisou pour dormir. Ça.
Elle va disparaître là. Là, elle va plus être là. On joue à cache-cache, c'est ça? Rush là. Elle est chiante à rester là. Joy Boy, fais attention, il y a des bruits que tu vas peut-être pas aimer. Vraiment, Joy Boy, mais fais attention aux bruits, il y en a peut-être que tu vas pas aimer. Chante-lui une chanson. C'est l'heure de oui à la télé. Oui, oui. Et c'est... Elle va être dans le lit. Bah t'es où? J'aime pas là, tu m'oppresses. Vraiment, je n'aime pas ce que... Ah bon, genre les craquements d'os, tu vas pas kiffer. Il y en a eu qu'un de ça. Mais est-ce qu'il y avait quoi comme bruit tout à l'heure? J'ai pensé que t'aurais pas aimé. En fait, c'est beaucoup de bruits qui sont assez lourds. Parfois. C'est des bruits pas très agréables à écouter. C'est pas forcément des bruits de bouche. Pour le coup, il n'y a pas de ça, mais il y a des chants, il y a beaucoup de bruits. Je dois finir de ranger, elle a écrit. Elle a écrit. Ah d'accord. Ah super. À chaque fois que je touche à un cube, il y a un bruit. Ah non. J'ai acheté le pass de combat Apex. Il est pas très beau, je trouve. Il est à combien? C'est bon, on peut partir, j'ai rangé. Il y avait du bruit à droite. Bah, je t'ai dit quoi pour ton anniversaire, moi, du coup, maintenant? Ah bah, elle a refermé. Les chuchotements des foyers. Ouh, elle m'est pas arrivé que la poupée a disparu. Non, j'ai pas vu. C'est vrai que tu ressembles vachement à une horloge. C'est bon, t'es prête pour le film maintenant qu'on a rangé? Mais plus de siège. Cool. Ah oui, faut que je range tout. Faut que je range tout. Ah, bah pas tout du coup. Bah super, c'est déjà accroché. Ah, merci pour le raccourci. C'est vrai que ça me faisait un peu chier. Je finis de ranger ou tu t'en fous? Ok, on finit pas de ranger. C'est Chakra Simulator le truc. Qui t'a dit de fermer la porte, dis. Fais ta vie, hein. Juste là pour ranger, moi. Hey. Ah non, je crois qu'elle avait les yeux crevés. On ramène lui du sirop. Mais il est malade, papy. Il y a des médicaments, là. Qui a des médicaments dans une chambre d'enfant? Satan. Ah, bah merci pour la réponse. Une hache. Je peux pas la prendre, évidemment. Putain, faut que je fasse le tour, c'est pas cool. Ah si l'enfant est malade, ouais mais frère, tu laisses pas dans la chambre. Ah d'accord, c'est une film partie sans moi quoi. Moi je veux me faire foutre. Je sais pas, je pensais qu'il y avait un siège pour moi. Ça fait Natal, l'envers, c'est peut-être qu'elle a voulu écrire son prénom. Il faisait 4 cm et je m'aime pas le haut du meuble. Oui oui, pourquoi il est chauve? Super, mais allez vous faire foutre hein. Moi je range tout et je peux même pas regarder le film. Avec vous. C'est bon. Je fais le tour. Pas d'offre pour la movie night. Ça va toquer là-bas. Électricité, frère. Quelqu'un y pense là-dedans? Bah non. C'est moi la seule responsable ici. Je regarde à chaque fois, on sait jamais si ça déclenche quelque chose. Donc vraiment d'hospitalité, hein. Ah, mais clairement, hein. Moi ça me gère. Désolé. Je recommencerai plus. J'ai presque sorti. Il faut que je trouve un moyen de partir et de laisser une note. Mais la maison vont pas me laisser pas la maison va pas me laisser partir. Et je suis de retour dans ces salles. Très bien. Bah on peut écrire avec ton sang si tu veux. Ça va être la mode ici. Le clip de quand tu éteins la télé, il a pas marché. Ah merde. Merci pour les clips vous gérez ceux qui sont en train d'affaire. Hein. Du coco ça, petit chou et aïe, victime. Oh, c'est fermé! Ah!
Ah ah. Non, j'ai pas envie. Oh, elle est pas belle. Non. Arrêtez. C'est plus fun là. Ah bah. Ça bascule à ce point-là, ça construit des murs. Ah, les musiques, ça m'oppresse. Je suis oppressée. Ah, c'est bon, je peux lire la note. J'écris cette lettre dans l'espoir que quelqu'un la trouve. J'ai appelé la moitié des services sociaux pour récolter les trucs, mais le méchant qui vit ici, il me permet pas de le faire. Je me sens comme... J'ai l'impression que je suis ici depuis une semaine, mais la vidéocaméra, la caméra quoi, elle marche toujours. J'ai perdu la notion du temps et je vais commencer à faire des tours. Je tourne en rond quoi. J'étais fermée ici. Enfermée ici. Briquet. Ça va péter ? S'est cassé la gueule. Elle s'est cassé la gueule. C'est comme ça la fin de cet épisode. Elle s'est juste cassé la gueule. On est où là? Où est-ce qu'on est? C'est nouveau ici. Martin n'achètera plus de tapis. Il me fume. Oui, la lampe torche. Elle est de retour. Ah bah c'est propre. C'est le salon mais en propre. Ah un crayon pour écrire une lettre. Mais stop d'apparaître H24. Je me connais d'autres pieds dans un meuble dans le noir. Stop d'apparaître H24. J'ai même plus peur de toi. Tais-toi. Je me demande ce qu'il y a dans le placard quand même. Ça me fait plus peur vos cris là. C'est lui qui me sent, comment tu vois, la femme. Super. J'ai moyen de sortir ou je vais me faire foutre? C'est lui qui me sent, comment tu vois. Sympa le bureau vert. Oui. She was pointing at a bootcase. We need to take a closer look. J'ai pas vraiment compris. Mais je crois que je dois zoomer sur quelque chose. J'ai pas compris. Sur ce à quoi elle s'intéresserait. Sur ce quoi elle s'intéresse. Ah, ici, quand elle regardait dans le coin, c'est vrai qu'elle était dans le coin, là. C'est ça. Deep Psychologie, on connaît ce livre. Je l'ai vu, le livre. Ah bah, il est là. Je suis con. Ah. Très bien. Deep Psychologie, c'est le livre du début. Il a l'air cool, le jeu. Il est trop bien, en vrai. Martin aime le théâtre. Putain, elle marche toujours pas, elle. Le briquet, j'aime vraiment pas. Ni de book. Ah, faut que je trouve le livre. Je le mets là et après je pourrais ouvrir le placard. Deep Psychologie, on doit trouver le livre. Une pile, ce serait bien aussi pour. La lampe. Faut trouver des piles comme dans Outlast. Ah, Deep Psychologie. Super, merci. Il est pas si compliqué que ça. Je chante bien quand même. Mais ça me suffit. Ouh. Attention, fermez vos yeux. Je vais t'enfermer dans le plec.
Non, stop, arrête. Non, non. Oh, oh, oh. La vie de moi fait pas des trucs comme ça. Merci. She's close. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon, on va regarder la cassette. Veuillez s'il te plaît. On va rentrer dans la cassette, elle est proche. Dans l'armoire, Taras. Ferme ça. T'as raté le screamer. Ah, vous l'avez vu ? Ah, j'ai rien vu, j'ai fermé les yeux, frère. Ok. C'est tout. Ok. Alors regarde vraiment la vidéo. Oh. Il se fait posséder là. En fait, ils ont tous été possédés finalement. Casse-toi. Et moi je l'ai vu. Ah, vous l'avez vu ? Bah, John. Frank, c'est Hitman, Martha le savait. Ah. Il y aura une photo à prendre ici ? Donc là, il est possédé maintenant, le daron. J'allais prendre une photo. Ça me pèse. Je suis pesée. On rouvre le placard ? Non ? Ça marche toujours pas, ça. Tu veux que je prenne une photo, c'est ça ? On va prendre une photo, y a pas de problème. Si c'est ce que tu veux. Je peux pas prendre de photo. Salut Axel, ça va et toi, comment tu vas ? Apprécier les compétences artificielles de Franck. Qu'est-ce que je peux faire ? Le 3 cheese. Je peux plus prendre de photos, ils veulent plus. C'est une blague, j'ai pas envie. Qu'est-ce que je loupe ? Ouais, il y a plein de cassettes là, il y en a peut-être une que je peux prendre. Ah oui. La vie de moi, respire moins fort. Oui, tu loupes l'armoire. On ne parle pas. Attends, message au chat qu'aujourd'hui. Let's go. Buffy, elle a un souffle de buff. Ah ouais. Ok, on rentre dans la cassette. Point d'interrogation, point d'interrogation. Ok, donc là, on vit des moments. 28 août, j'ai l'impression. Eight. Ok, reviens dans ce couloir-là. On va aller voir là-bas. Tu l'ouvres. Ok. Mais ils ont juste tous été possédés par juste le grand esprit, là, hein, c'est tout. Hein. Ah, merci. Non, mais prends la clé, par contre. Prends la clé, la vie de moi. Mais... Key to the door. J'en sais pas, il faut voir ce que ça donne avec la mage en speed. Vas-y, 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 ta vie. Enfin, fais ce que tu veux, quoi. Salut. Help! 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 Elle voulait que je l'aide, elle courait vers moi pour que je l'aide. T'as vu qu'elle casse toi maintenant, mais parce que tu veux. Il y a du sang là. Il y a le papa devant la télé là. Elle est là la dame. Reste là, de toute façon il y a un truc qui nous sépare. Je peux rien faire. Oh. Elle a ruled, she ruled Marie. À la primarie, ça me fume. Yaya, j'en s'apaise pour tester. Perdri qui lance Apex aussi. La musique est magnifique.
Elle est magnifique la musique. Gouverner, donc prendre possession. D'accord. Pourquoi ça a l'air beau? Le jeu a l'air magnifique d'un coup. Pourquoi c'est une musique si positive? Ça devrait pas. C'est une règle pour mesurer au roller. Ça, c'est du beau violon. Pourquoi la musique est si positive alors qu'elle prend possession d'elle? Qui est la personne des cassettes? Ah, j'ai plus le temps de regarder les photos. Il y a le daron, bah c'est la même personne qu'on voit depuis le début. Il y a le daron, la mère et la fille. 26 septembre. C'est pas la chambre. Je voulais regarder les photos, j'ai pas eu le temps, je pensais pas que ça allait changer. On peut y aller, hein, quand tu veux. Salut Osiris, ça va et toi, comment tu vas? Ça fait longtemps? Mais elles sont magnifiques les musiques. C'est quoi ces musiques si positives? Oh non, il y avait de la bonne musique. Vous pouvez lui dire de mettre là le temps, si tu veux, de mettre le son, s'il veut écouter un peu la musique. Pour l'instant, il y a que le bruit de la musique, si vous voulez lui dire. Je lui dirai de couper après. Ah, on va voir l'histoire là un peu. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. Oh, let's go. Tu vois quel âge? Il a été dit qu'il y avait rien dans la maison quoi. J'attends que Joy Boy mette le son s'il veut. Tu me dis Joy Boy quand t'as le son? Je fais rien en attendant, si tu veux juste écouter la musique. Celle de tout à l'heure était vraiment belle. C'est pas la même, celle de tout à l'heure était vraiment très jolie. Honnêtement, il n'y a pas eu de bruit chiant depuis que t'as coupé le son, Joy Boy. Si tu veux tester. Il n'y a eu aucun bruit chiant, à part à la limite des gens qui marmonnent, tu vois. Sinon, je crois qu'il n'y a pas eu de bruit chiant. Il y a eu la télé. Elle est sympa, elle aussi, ouais, de fou. Mais sinon, il n'y a pas eu de bruit trop chiant, si jamais tu veux tester. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin. Ah ouais, 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 en vrai, c'est ok. Après, je te garantis rien. Je te garantis rien. Hein. C'est des bruits assez sourds, souvent. Ok, mais ça, on a vu, ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, faut que je zoome sur la photo, non? Pourquoi c'est si positif? Je comprends pas. Oui, t'es qui grésille, à part ça, ça passe. Ouais. Oui? Ah, c'est une nouvelle photo? Ah non. Ça, c'est toutes les photos qu'on a vues, les photos classiques où tout allait bien. Et les murmures, ouais. Faudrait que je trouve une clé ici. Ah, il y a des photos là, j'avais pas vu. Avec la clé. Ah, c'est si glauque ça. Ah mais c'est plus la même famille ça, c'est notre famille. Aide-moi à finir ce que t'as commencé. Je sais que t'as trouvé comment mettre fin à ça. Je sens de la peur et des émotions, mais mes proches sont en danger. Ouais, donc c'est vraiment la meuf, elle hante la maison quoi. Sur chaque famille. Et ça a commencé, ça serait avec Martha, ça commencerait comme ça. Histoire psychiatrique, oh trop bien. Le patient Franck, c'est un mâle, c'est un mec, 34 ans, il était détective. Il est diagnostiqué schizophrénie paranoïaque. Extrêmement dangereux. Il est déclaré à l'hôpital, il est déclaré comme fou depuis 97. Écrit selon les mots du patient. J'étais coupable de ce qui est arrivé. Mary, c'est quelqu'un, est devenue dépendante sur les antidépresseurs. Et le mâle savait qu'elle devenait vulnérable et du coup la possédait. Ça existe, je pense, de dire ça. Elle était complètement. Je vois ce qu'on peut. Elle était genre destinée, je pense, à tuer notre enfant. Et après, elle a ciao elle aussi, elle s'est suicidée. Ah donc c'est bien la mère qui s'est fait posséder et qui a tué le gosse et qui est morte aussi, qui s'est suicidée. J'étais déterminée à rester dans la maison et de dire ciao à l'ennemi, au méchant. J'ai fermé, si je pense, j'ai fermé les portes et les fenêtres avec des clous et des planches. Pour pas que la police trouve d'autres victimes. La police a arrêté
m'a arrêté et m'a pas cru. Je sais qu'il y avait un culte influential. Ça va être très approximatif. Ça y est, c'est comme un choc, j'ai une attaque cardiaque, d'accord. Non, oui, c'est le cardiaque, c'est ça, Artie. Un mal alpha. Vous avez de peur et d'émotion. Voilà, c'est ça, merci. Je savais qu'il y avait un culte influential, je sais pas trop, qui maintenant existe. Mist, il y a des people maintenant dans notre Mist, je sais pas ce que ça veut dire. Ils continuent de kidnapper les enfants et les autres personnes. Ils ont laissé aucune chance à Mary. Et ils m'ont laissé aucune chance à moi et j'ai été enlevée en prison. Quand ma femme ne pouvait plus payer l'appartement, les aides sociales nous ont offert une vieille maison où personne n'y a vécu depuis un moment, donc cette maison-là, j'imagine. Tout m'est arrivé et j'ai vu la maison apparaître dans mes cauchemars. Chaque jour, c'est un jour à l'enfer où ça s'arrête jamais, quoi. C'est un jour d'enfer, ça s'arrête jamais. Ça m'a pas lâché. Et c'est avec Miss, c'est avec moi, c'est enfermé. En gros, le truc est dans ton milieu environnement. Miss, c'est environ, d'accord. En gros, le démon, il est resté avec lui, il est resté enfermé avec lui. Donc ça veut dire qu'il a vraiment rien fait. Là, il est juste possédé, lui, il est juste enfermé avec lui dans le démon. Mais du coup, de base, ça a pris la mère, parce qu'elle était dépressive. La mère a tué le gosse, elle s'est suicidée. Sauf que le méchant est toujours là, il s'est enfermé avec le mec. Ça l'a possédé lui aussi, tout le monde, personne l'a cru. Donc je pense qu'il apparaît juste de temps en temps, il est juste là, mais genre pas vraiment là, tu vois, le méchant, il est juste en train de le hanter, tu vois, genre... Du coup, il est pris comme fou, le frérot. C'est pas comme l'homme... Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qu'est-ce qu'il chante? Mais c'est affreux. Mais il prend l'homme. Elle est mal faite. Tu vas devoir rester avec nous pour toujours. C'est ce qu'on a entendu au début du jeu, ça. C'est ce qu'il y avait au début du jeu. Il disait la même chose quand on était dans le noir. Ah, on revit la cassette. 23 septembre 80. Ah, c'est fini? C'est fini? Ah, c'est fini! Je pense qu'il y a le film que t'as vu, le jeu que t'as vu qui dure 3 heures, c'est un autre jeu, c'est pas celui-là. Je m'en doutais qu'il durait qu'une heure celui-là. J'avais déjà vu. Il était bien, en vrai. On a rien compris, mais c'est sympa. Bah si, il y a l'explication à la fin. Si, il y a l'explication à la fin. On a juste laissé... On sait juste que ça va continuer toujours, toujours et toujours. Oui, Yaya, c'est parce que je te dis, il y a un jeu, il y a un autre jeu. Je t'ai dit, Yaya, il y a un autre jeu qui a exactement le même nom. Et je pense que tu confonds avec lui. C'est le même délire de horreur et de... Sauf que c'est plus énigme que ça. Et c'est exactement le même nom du jeu. Dans ce sens-là, de quoi? Non, non, mais on a eu la fin en vrai. J'ai pas vu le 2000, dommage. C'était chouette. En vrai, il était bien. C'est un drame familial, du coup, à cause de cette maison. Bah, toutes les familles subissent, quoi, du coup. J'attends la fin du générique. Je peux pas quitter, sinon. Dans ce sens-là, que ça allait continuer. Bah, je pense que, ouais, maintenant, ça va continuer tout bon avec toutes les familles. Et lui, il y peut rien, genre... il est enfermé aussi avec le méchant. J'ai bien aimé le jeu. Mais en vrai, il était court, mais il était sympa, hein. Il était hard, hein. Plus long, ça aurait peut-être été chiant, parce que c'était vraiment hard tout le temps, quoi. Martha vous dit rendez-vous dans une semaine, les tuyaux. Je pense qu'ils ont bien fait d'arrêter comme ça. Faut pas que ça soit trop dur. Enfin, pas trop dur, mais trop long... psychologiquement, et avoir tout le temps les mêmes trucs. Niveau visuel, j'ai kiffé. Dommage que le monstre soit un peu négligé, je trouve. Genre, tout le reste, c'est magnifique. Mais tu vois, le mob... bon. À la fin, tu vois bien ses défauts, quoi. Je suis sûr qu'il y a un truc si... Merde. Ouais, c'est juste qu'il veut tout mind money. Bon, on va arrêter la musique quand même, ouais. Non, non, il me demande si je suis sûr. Il doit y avoir quelque chose. J'ai fini, ouais, il était court. N'empêche, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le jeu ou quoi? C'est beaucoup tous les pseudos là. C'est que des pseudos, frère. Court mais intense, ça a été giga intense en vrai. Hein. Vous avez aimé? Vous avez aimé ou quoi? Si
psychologiquement, il était très dur. 1980, c'est 7 ans avant. 7 ans avant ? C'est vrai que c'était en 1980 quand... Ah non, on était en quelle année qu'on était enfermé, qu'on a eu l'explication ? Là, c'est ton jeu. Oui, oui, mais avant. Ah, il y a une voiture en face. Il est sympa, oui, t'es pas bien quand tu regardes. Ah oui, sympa, ouais. Un financement participatif, peut-être, Kaya. Bah, jus de pomme. Ça se trouve, Vito, hein, ça se trouve, hein. Mais je pense pas, quand même. Peut-être une suite visuelle ou quoi, tu vois. Regarde, la caméra nous emmène vers l'école. Peut-être ça va nous montrer quelque chose. Enfin, vers l'école, vers le truc de l'enfant, ou là où il y avait Martha et du coup la méchante. Parce que de base, c'est tous les blagues de Martha. De base, on a vu que le délire c'était Martha et sa fille. Non, Martha et sa mère. De base, ça partait des deux et c'est sa mère qui était complètement malade et ce serait elle la méchante de tout, tu vois, qui a possédé tout le monde. Ah non, je suis déçue, je pensais qu'il y avait un truc en plus. Je me suis endormie à la moitié. C'est vrai, t'as réussi à dormir devant ça ? Wow. Eh ben. Ah ! 13 août 1987. Oh ! C'est une partie en plus ? Mais pourquoi il y a un générique ? C'est juste une petite partie en plus. Martha paye le DLC. Salut. On est de la nouvelle famille. Fin de fin. Ouais, mais t'imagines tous les gens qui quitteraient le jeu parce que tu peux quitter, tu vois. C'est si étrange. Ah, mon briquet éclaire beaucoup plus. Salut Arkane, ça va et toi, comment tu vas? Teaser du 2? Ah, peut-être, ouais. Salut Arou, bienvenue, comment tu vas? Parce que oui, ils ont bien dit, il reste une famille à sauver, quoi. Il faut que tu aides la famille, tu sais comment faire. Donc peut-être que le 2, ça va être ça, il va falloir aider l'autre famille et ça va se passer assez différemment, étant donné que le méchant est enfermé avec le daron. Sympa. Non, 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 j'aime pas entendre ça. Bill et Mathilda, le mariage. On avait déjà vu cette photo? Moi aussi, je fais ça en spare. Je fais des bébés en spare. Ça a super à rouler la patate. Patate. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a un truc là. Tu veux regarder un film encore? Non, le dessin là. Ah! Un pornographe. Tu veux que je range les jouets? Non, pas cette fois. Ah bah y'a plein de dessins. Je suis désolée mais tes dessins ils veulent rien dire. Hein. Je les regarde mais... Il se passe rien quand je les regarde, tu vois. Ah, ça... les idées noires là. Tu vois, lui je l'ai fait en octobre 2021. Ah ouais, c'est sympa hein. T'as beaucoup évolué entre temps. Imaginez s'il y avait le monstre qui était accroché au plafond depuis le début. Ça aurait été affreux. L'entraînement sur la peinture, c'est mon portfolio. Toujours cette vieille photo. 5 personnes sont mortes. 2 ont été tuées d'une collision entre deux motos et un camion. Enfin, pas un camion, mais t'as capté. Un pick-up. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Ah, d'accord, sympa. Tu veux changer les jouets? Dans le lit, les jouets. Allez, orange. Blessé, ok. On peut pas le fermer, lui. Drama queen. Pourquoi c'est un bébé tout nu par terre, il est tout sale. Pourquoi il y a 2 bébés, d'ailleurs? Hop, on range tout. Allez, le ballon aussi, le jouet là. Assomme-le avec. Je te jure. Allez, on range tout ça. Je préchote un gros screamer instant fin pour le tease 2.
Vas-y, on verra, Yaya. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ça se trouve, c'est pas pour le 2, c'est juste qu'on en sait plus, ou je sais pas. T'as une sœur jumelle, en fait. Un frère. Oh, bah, le petit verre de vin. Ah, faut que je recommence à tout ranger, d'accord. Bah, je range ça où? Sur le mur, c'est là. J'ai quoi d'autre à ranger? C'est pas un bébé, c'est un poupon. Le verre, je peux pas? Non, celle-là, toujours pas. Qu'est-ce que tu veux que je range là? Il y a eu beaucoup de meurtres de personnes. Le suspect a été arrêté. Peut-être que c'est le travail d'une sorte de culte. On cherche ceux qui lient de... On cherche les autres co-responsables et ceux qui lient le délire. Tableau pour cacher le trou rebouché à l'enduit. C'est futé, hein? Je suis enfermée. Qu'est-ce qu'on a par là? Il y a beaucoup d'alcool et de médicaments. Hein. Pas bon bail, ça. C'est moi ou l'horloge s'est arrêtée? Ah, des nouveaux dessins! Bonjour, papa. C'est une suite apparemment perdue. Tu recommences ce que t'as déjà fait? Non, 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 on sait pas trop ce que c'est. C'est ce qu'il y avait après le... Après le générique. Tais-toi, je parle. C'est ce qu'il y avait après le générique. Pas de lumière, d'un coup. Pas, y a plus la photo. Oh, je crois qu'il avait été... Il avait péri, frère. Je crois qu'il était tout mort. L'ombre là, elle fait flipper, hein. La télé est juste à côté du berceau. Martha ferait mieux de réorganiser sa maison. Ah, mais clairement, hein. Faudrait qu'on retrouve le cadre, je pense. Bonsoir. Mais y a plus de bébé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Très vintage. Billy, Mathilda, Kate. C'est marrant tous ces cadres qui changent là. Jamais les mêmes. Il a pris un marché, c'est normal. Il s'est taillé, frère, il en avait marre d'être ici. Attends, mais c'est revenu l'ancienne photo, ça? Non, je peux juste pas la prendre. Un film? J'ai plus envie, ça fait trop de bruit. La maison évolue comme la vie des gens au fur et à mesure, ouais. Est-ce que c'est tous les gens qui ont vécu ici? Mais les dates sont trop rapprochées, donc ça me paraît étonnant. Après, il y a un tableau de travers, là. Ça me stresse. J'ai pas eu... C'est ouvert, pas besoin de... Sois plus fou avec les médocs et tout. Ouais, peut-être que là on est juste en fait avec le père qui qu'on sait. Non, le père il est enfermé maintenant. Non, le daron il est enfermé. Il peut pas être ici s'il est enfermé. Ou alors c'est ce qu'il y a dans sa tête, ça. Ça serait ce qu'il y a dans la tête du daron, ça. Vu qu'il est enfermé avec la méchante, il est bloqué dans là où il a vécu et avec la méchante. Tu vois? Oh, oh, oh. Il y a une ombre. Ouais, Théma, ils sont enfermés ensemble, c'est ça le délire? Dans sa tête, peut-être. Je pense, hein. Théma, il est enfermé avec la dame, avec la méchante. Je pense vraiment que c'est tout ce qu'il y a dans sa tête, tout ça. C'est ce qu'il vit constamment, tout le temps, et il dit chaque jour il y a un enfer. Bah... C'est bon. Salut Zara, comment tu vas? Le film vient d'un autre point de vue. Ça a l'air marrant ce qui se passe à côté. C'est mon entrée. Malaison est classique. J'aime pas. Arrête de bruit. Marrant, ouais. Non, que pas ça, c'est vraiment la patate. La musique des années 50. Ouais, elle tourne mal le disque là. Hein. Il a pas kiffé que j'allume le...
tombe bien quand même. La porte là-bas qui a dû être ouverte. T'as pas fait un bon chiffre, Zara. J'ai con, putain. On dirait rire des dessins animés. Tu regardes des dessins animés bizarres, frère. Hein. Elle grinçait pas tout à l'heure la porte. Il y a une main là. Elle m'a écouté. Si tu voulais regarder filmer avec moi, dis-moi, hein. Il y a du sang. Évidemment. Ok. Oh, c'est sombre. Oui, il y a le bazar ici. On a déjà vécu ce moment-là, non? Ah non, non, non. Pas ça en vrai. Le bébé sort avec Biscuit. On n'est jamais rentré dans cette pièce, c'est vrai qu'on n'est jamais rentré dans celle-là. Hein. On n'est jamais rentré dans cette pièce, les gars. J'en ai pensé. T'es mort, on tourne en boucle. Quoi? 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 Tu veux que je range les jouets? Je peux ranger les jouets, pas de problème. Pas de problème. Pas de soucis. Je les pose là, là, où? Ok, c'est ça. Arrête, arrête, arrête. Arrête. C'est pas drôle. Pousse. J'ai besoin d'un moment de répit. Ça s'arrête jamais. Salut Vava, comment tu vas? J'ai fermé la pièce avec une clé. Parce que j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui marchait et qui chuchotait. Je pouvais pas être ici au travail, je suis coincée. Hein? Et travailler, pardon. Je suis suivie. Ah, mais c'est la personne qui est censée ranger. Oui, c'est ça. On a déjà vu cette lettre-là. Et on n'aime pas qu'on touche à leurs affaires, nanana. Si quelqu'un trouve la lettre, partez, quoi. C'est le truc qu'on a déjà lu, ça. On revit tout, en fait. Je crois qu'on est en train de tout revivre, mais en étant dans la tête du mec. Donc, tu tournes en rond, là. Je pense qu'on revit tout, mais en étant dans la tête du gars. Tu vois, rester juste dans ces pièces-là et à être que là. Regarde. On a son point de vue à lui, peut-être. Est-ce qu'il y a un but à cette partie? On va voir. On va voir. Est-ce que c'est juste pour voir? Yaya, t'as des nouvelles de Layla? Coucou Lodius, oui, un jeu d'horreur, comment tu vas? Moi, je pense qu'il y a un but, hein. Pour comprendre, non? Attends. Elle doit réviser. Même elle a passé son premier bac aujourd'hui, on l'a pas revu depuis. Aucun message. Oui, j'imagine qu'elle révise, ouais. L'attaque, c'est le dodo. Ouais, mais elle est rentrée genre vers 17h, 18h. Faut voir, 45 à ma SMS, j'ai rep, mais elle a pas rep. Ouais, elle a commencé à 14h. Des bisous, Zara, passe une bonne soirée. On peut pas aller là. Il est encore pendu. Sur la dernière image où elle était comme ça, nous on était derrière. Bah, Théma, y a plus rien devant. Il
Oui, d'accord, j'y vais. Ah. Oui. Oui, tranquille, Odious, ça va super. Ça va super. What? Et c'est ça la fin du jeu? Alors du coup, ça me perd. Pour moi, là, c'était vraiment le point de vue du mari. Pour moi, c'était vraiment genre juste... Ouais, là, c'est dommage. Pour moi, c'était vraiment genre le point de vue du mari. Ça. Mais qu'est-ce qu'on apprend de plus, du coup, sur la fin? C'est ce qu'il vit juste, qu'on voit juste son enfer, ce qu'il vit tout le temps, le fait de tourner en boucle entre les deux pièces, comme ça, tout le long, tout le temps avec elle. Enfin, juste de vivre tout le temps comme ça. Et sur la fin, qu'est-ce que tu vois? Elle est pendue, oui, et elle est accolée avec. Son enfer, ouais. Salut Karma, ça va et toi, comment tu vas ?